Voilà, on est parti pour la phase d'entraînement, Brocky Brox, qui va travailler Combo Renekton. Juste, voilà, histoire de que tu puisses le reproduire en game, parce que c'est super important, ce qui te permet de dominer ta lane. Alors du coup, tu le connais, va falloir que tu E-in, auto-attaque, Z, Q-spell, avec le Tiamat. En fait, le Tiamat, tu peux le mettre soit sur le Z, soit sur le Q-spell, mais il faut le mettre en même temps. Ok. Donc, fais E-in, auto-attaque Z, fais déjà ça. Sur un mannequin. En tapant le sbire sur le premier E. Non. Tu peux pas faire ça. Ça c'est. Oui, là tu peux parce que c'est un mec immobile. Mais normalement tu dois taper le sbire sur ton premier E. Ah pour Pour en fait pour regagner ton Ok. dash et arriver à portée de lui. Parce que jamais de la vie te laissera. Alors au pire utilise le premier mannequin sur ton E pour aller chercher le deuxième mannequin en haut. Tu vois les deux en haut? Ok. Donc tu fais E sur le premier. Et ensuite tu fais auto. Tu fais pas le deuxième E, tu fais auto-attaque Z, auto-attaque Q-spell. Ok, on est parti hein. Vas-y. Attends, E premier, auto-attaque Z, auto-attaque Q-spell. C'est Ok. ça. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais que je fasse. Bah après, je vois mes skips. Non, je voulais que tu dashes sur lui, celui de gauche, et que tu ailles sur le celui d'en haut. C'est là. Ah, moi j'ai fait Donc, tac, ouais, non, tac. parce que du coup, t'as cliqué deux dashs. Le but, c'est que tu gardes le deuxième dash pour après. Ok. T'as droit qu'à un dash. Donc, tu E sur le truc, et après, tu fais ton combo. Auto-attaque. C'est à peu près ça, mais il manquait le Q. Ah, Tu il vois, au moment manquait où t'as mis Q. Tiamat, t'aurais pu mettre le Q exactement en même temps, ça se combine. Mais tu commences à le maîtriser le Est-ce que truc. je peux. Attends 2 secondes. J'ai rentré un truc. Et après, tu peux au pire le mettre sur ton Z. Hein. Juste avant le Z, t'appuies sur Tiamat, ça marche. Ok. Ok. On est en train de créer un monstre là. Ok, c'est parti. Voilà, là t'as vu le Tiamat et le Q-spell? Là tu l'as fait parfaitement. Compliqué, hein, faut pas mentir. Hein. Ouais mais ça doit C'est devenir compliqué. automatique. Là tu l'as fait très très bien. C'est compliqué. On va dire c'est plus simple de tout taper sur H1, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais là franchement c'était parfait. Voilà. Tu vois c'est pas si compliqué que Ok, ça. c'est Tu bon. l'as. I got it. Allez refais-le encore un peu. Je sais pas si attends 2 secondes, je vais voir si tu peux avoir des CD infinis. C'est chiant ça. Ah c'est ça. Voilà, c'est bon. T'as les CD infinis, tu peux le faire en boucle maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais, attends deux Attends. secondes ton Z, attends-le. Voilà, allez. Il manquait le Q-spell. Putain, pourtant j'appuie, hein. J'ai du misclick. Enfin, j'ai du mal à appuyer. Mais Kamaz était bien. Manquait le Q-spell Mais c'est encore. pas possible, j'appuie. Appuie limite sur le Q-spell avant le Tiamat. Ok. Traîne là juste Tiamat Q-spell dans le vent. Tiamat qui spell? Ouais. Voilà, c'est ça. Refais-le, hein. Tu peux le faire en boucle là. C'est une chose que tu pourras pas faire en game. Non, tu l'avais pas Tiamat, vas-y. C'est exactement ça. Refais. Tu vois, le Tiamat doit partir avant. Tu Ok. vois? Ouais, en fait, j'ai regardé les deux pour voir. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça que tu veux le mettre dans la gueule. Ok. Après, faut que tu peux aussi. E-Tiamat. Fais E-Tiamat. Non, en plus l'inverse, pardon. Tiamat E. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, sur ton deuxième dash, si t'avais déjà utilisé ton Q-spell, tu peux et ton Tiamat revient à ce moment-là, tu peux aussi E-Tiamat, sans Ok. perdre de temps. Et c'est ce qui fait toute la différence hein, sur Renekton. Voilà. Voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Le mec peut pas te répondre. Donc là, tu viens de lui enlever 20% sans qu'il puisse te répondre. Donc, c'est le combo vraiment à maîtriser. Alors, après, il faut arriver à le faire en vrai game face à vraiment quelqu'un. Pas louper le Q-spell parce que c'est ce qui te fait faire le plus de Plus dégâts. de New world, ok. Fais le encore un petit peu, après on va go. Non, c'est ça. Q-spell, t'es con quoi, mec. Pense à mettre vraiment le. Tiamat avant. Ouais, Tiamat avant le Q-spell et ça passera à chaque fois. Ah, c'était parfait là. En fait, faut pas que je me précipite. Je Non, les non, stun, non, le mec. c'est genre les frames sont très larges, hein. Y a pas un timing parfait à avoir, c'est genre assez ok. Hein. En fait, parce que je me dis, ouais, moi je me dis. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qu'il se dit, le Brocky? Brocky, il se dit. Que j'ai pas le temps en fait, que mon E va se barrer. En Non, fait, t'as non, c'est grave bon. temps, le E, t'as, il est super large. Attends, je vais voir, attends, je peux regarder combien de temps? T'es pas, c'est combien de temps sans Moi, le. je crois que c'est 6 secondes, un truc comme ça. Hein. Genre pour qu'il Ah, ouais, redashe? t'es très très large. Hein. Ah, d'accord. Bah, il Ok. manquait le Q-spell. Je vais voir si tu mets bien l'auto-attaque après le dash.
dash, auto-attaque, Z, et voilà. Et pas mal. Tu l'as. Et normalement, rien qu'avec ça, tu peux être la terreur du, de la top lane. Ok, ok, j'ai envie de Renekton là. Allez, on va quitter et je pense qu'on va go directement sur, sur Renekton. Si t'arrives à leur produire ça, franchement, tu vas te rendre compte de la puissance du champion et après, tu vas être capable de 1v2. C'est vraiment un énorme champion pour carry à ce niveau-là. On va lancer directement en solo queue, top lane. Nickel. Ok, bon. Donc Renekton, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut jouer genre assez agressif en lane, mais genre vraiment sur ses CD. Et la Führer, en early, il faut essayer, quand t'as besoin de sustain, de la mettre sur le Q. Ouais. Ce qui est assez facile, mais toujours essayer de faire dash Q, dash out, quoi, histoire de la race en même temps. Essayer toujours de le toucher en même temps. Et sinon, quand t'es dans une vraie phase d'agression comme celle-là, essaye de l'avoir sur le Z. D'accord. C'est pour ça que l'auto-attaque que tu vas mettre avant, elle est importante. Ouais. Si t'es à 45, tu fais dash in, ça te claque pas de Führer. Tu mets l'auto-attaque que tu t'es dit, ça te met à 50. Et là, tu fais Z, donc tu redescends à 0, et ensuite tu fais Tiamat Q-Spell, dash out. Et au moins, le mec va prendre tarif, quoi. Et des fois, t'es pas obligé de dash out. Si tu vois que tu peux aller au bout, tu refais dash in, tu vois. Comme ça, tu repasses derrière lui, et s'il te flash, t'es toujours à distance. Ouais, ouais. Et toi, t'as toujours ton flash. Et je pense qu'on va le jouer après l'Ignite. J'ai peur que tu n'y penses pas. Ah, l'Ignite, c'est chaud, là. Pas te mentir, c'est chaud. Parce que l'Ignite peut vraiment te montrer à quel point tu peux rouler sur ta lane. Ça va te donner un peu de confiance sur la laning phase. Non, mais moi, j'ai de la confiance sur. Il manque que de la confiance sur ce jeu. Ouais, c'est ça. Hein. Dès que je serai à l'aise, confiant et tout. La confiance, de la mécanique. En tout cas, moi, je vais être avec vous sur le chat. N'hésitez pas à réagir, à lui donner aussi des petits conseils. Hein. Je transmettrai si vous voyez certaines choses que je ne vois pas. Il y a un mec qui a dit premier trade, perdu incoming. Non, non, arrêtez. Il a besoin de confiance, c'est ce qu'il vous dit. Ah, le gamin. Ne le mettez pas au fond. Ah, le gamin. Il faut vraiment maintenant qu'on passe à la phase où, comme tu dis, il faut que tu gagnes de la confiance, tu sois sûr de toi dans tes actions et que tu y ailles, quoi. Que tu joues vraiment aggro. Parce que avec des champions comme Renekton, t'en as les moyens. Mais normalement, ouais, la laning phase de Renekton, t'es pas du tout censé la perdre, quoi. Une 49, une 50. Donc du coup, après, on jouera si tu fais une bonne game avec Renekton, on jouera Kennen sur la deuxième, Kennen AP. Mais tu vois, t'as rien, à part le combo avec Renekton, tu dois t'occuper de rien. T'as pas besoin de gérer le hit and run, t'as pas besoin de gérer. Enfin, y'a rien à gérer. Juste ta Führer et ton combo. Faut bien le maîtriser. Et même sans le combo, même en early, sans le Tiamat, le combo reste le même. Dash in, stun. Mais pense à l'auto-attaque. Les petites auto-attaques font la différence parce que ça te fait saquer ta Führer, enfin ta ferveur, pardon. Et donc, du coup, ça te fera gagner le trade sur la durée. D'accord. Donc, pense bien à ces petites auto-attaques, dash in, auto-attaque Z. Ça fait 3 auto-attaques parce que le Z, c'est 2 auto-attaques. Donc, ça te fait déjà 3 auto-attaques. La Führer commence déjà à être bien stackée. Ensuite, Q-Spell, dash in si t'as besoin. Si tu sens que tu gagnes le trade et que le mec n'a rien. Dash out si t'as juste envie de lui montrer que t'allais pas te laisser faire. Et après, bah, l'ultimate, normalement, à partir du niveau 6, tu gagnes quasiment tous les match-up, quoi. Ok. Tac, tac. Et pense-y, hein, essaye de le rappeler dans ta tête, le combo en boucle. Après, des fois, c'est situationnel. Hein. Des fois, je t'ai dit, va mieux falloir E-in, Tiamat Q-Spell. Pour pouvoir faire énormément de dégâts, parce que ça reste le Q-Spell qui fait le plus de dégâts. Ensuite, deuxième E-in, pour le Z, auto-attaque, tu vois. Et tu pars. Mais au moins, ton Z sera un petit stun, mais tu t'en fous, c'était juste pour lui remettre encore un peu de DPS. Mais à chaque fois, c'est situationnel, mais voilà. Le combo là que t'as, c'est le combo de base, qui est simple à faire et qui est quand même très 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 fort. Ok, on est parti. Match accepté. Je pense que tu vas être top lane, hein, il n'y aura pas de soucis. Bon bug. Ouais, c'est bon, t'es top lane. Et je suis même pas first pick. Ok, let's go. Pas first pick, t'es bien. T'es plutôt bien positionné. Tu vois la switch. Nope, sorry. Tac, voilà, on sent le mec qui a l'habitude. Directement, c'est recalé. Il est quoi, le mec ? Pourtant, il est mid. Ouais. Ouais, comme quoi, ta lane est prisée. Anyone want a switch? Vélici, hein, j'en étais sûr que t'es sûr. Ça y est, ça me dégosse. Il va être autofilette. Non, non, non. C'est vrai que t'as jamais été autofilette pour l'instant. Non, par contre, chez moi, je le suis tout le temps. Hein. Ah tout ouais support, ouais. Je m'en fous, genre Rumble support. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça. La folie. Qui on va.
qui on va ban? Camille. Camille, non? Ouais, bien wesh. Ok. Fais-le jouer, Riven, non, vous êtes des malades. D'être complètement fou. Vous êtes des malades, non, c'est trop compliqué mécaniquement. Faut savoir qu'il a à peu près. Il a quelques mois de jeu, hein, Broken. Hein. Ah, Il c'est à n'a peu pas près encore un an de 6-7 mois de jeu, jeu. il connaît pas encore tous les champions, mais il est quand même plutôt bien niveau. Bah, il est déjà Silver. Il y a beaucoup qui disent ouais, c'est pas logique. T'as vu les commentaires YouTube un peu? Il Non. y a plein de gens qui disent ouais, mais comment il peut être Silver? Je comprends pas. Je suis 100 fois meilleur que lui, j'arrive pas à être Silver et tout. Il y a majeur qui disent ça. Mais comme quoi. J'ai pas, je l'ai pas choisi, hein. C'est le talent qui m'a choisi, c'est comme ça quoi. J'ai rien fait, j'ai pas, j'ai pris la souris, le clavier, c'est parti quoi. Et la manette, c'est pareil quoi. Harry qui a un slant lock. C'est bien, vous avez une bonne compo là. Et si en plus j'arrive à valider Il y a Kha'Zix, qui a ça dit va être fais le cool. jeu au rayon sol. Hmm? Il y a qui a dit fais le jeu au rayon sol. Oulala. Le rayon sol, comment je l'aime pas. Ah ouais, t'as déjà joué contre, t'aimes pas? Oh Ah ouais, yes, il prend. Amumu, je crains pas du tout. Hein. Prend toute la map, le mec. Ok. Non mais arrêtez directement avec l'effet du joint tel, fait jouer un tel, hein. Ça va pas se passer comme ça. Et Vous avez puis je pas joue assez top de. lane, je vais pas revenir à Aurélien sur le top. Mais oui, vous avez pas assez de sens de l'analyse. Vous connaissez pas assez Brocky Brox pour le conseiller. Et il y a besoin pour l'instant de jouer sur des champions lane bully et mécaniquement on va dire simple. Une Irelia c'est beaucoup sur les temps, les timings, les dashs, la gestion du stun. C'est un peu complexe, je pense, encore. Mais là pour l'instant ils ont une compo en face qui te fait pas du tout peur. Hein. Bien le mot boîte. Bonjour, originalité, tu n'es que le 2865 e... Ah non, 2 millions à avoir dit Caris ce soir. Moubat il est meilleur que nous quoi. C'est le meilleur viewer Moubat. Vrai que je vois que des Caris. Non, les gars. Ils sont contre. C'est Soit bon parce là. qu'il y a un noir qui a de la barbe et qui c'est Caris, On les contre, on les hein. contre. Anivia. C'est un peu chiant. Leona, c'est un peu chiant, mais ça va. Bon, ils ont pas beaucoup de dégâts, tu vas être très tanky. MF, c'est très MF, il bien. manque le top Ok, laner. vas-y, verrouille. Hein. Comme par hasard, il manque le top laner. Ouais, mais comme je t'ai dit, à part Panthéon, Teemo, tu crains rien, quoi. Garen, alors. Ouais, Garen, ce serait un bon champion pour lui. Pour moi? Ouais, mais le Ah, je problème, c'est que c'est déteste, hein. genre, même si t'apprends à jouer Garen, c'est de la perte de temps, tu vois. Ah, Ça te servira pas. j'ai joué une fois, j'ai dit allez, salut. Ça te servira pas plus tard, puis tu vas J'étais une... Je suis nul, t'ennuyer. hein. Je suis nul, mais je joue mieux que ça, quand Ouais, voilà, tu vois ce que même. je veux dire. Parce que tu t'ennuies un peu avec le champion, et puis ça t'apporte rien, Bon, tu par contre, t'apprends je te rien cache pas que quand stratégiquement. il m'envoie un 700 from Demacia, ça me fait mal, Normal, hein. Quand il met un 700 from Demacia dans la gueule, ça me casse le cul, hein. non, je comprends. Echo! Echo. Tu connais Echo? Voilà, on va esquiver sa petite zone, stun. Il lui donne un shield quand il est C'est dedans, puis il me ça? stun quand il est dedans, et je suis dedans. Rien qui se good enough, Mais ma caisse, oui! merde. Après, il a son Q-spell, il proc une fois, s'il me touche une fois, une deuxième fois, la troisième, ça va être un critique. C'est ça. Enfin, ça te met dégâts Enfin, ça me supplémentaires. fait pas mal, ouais. Après, il y a son petit dash, quand C'est il me touche, ça. ça me fait mal Et aussi. l'ulti, Et tu l'ulti connais. qui revient dans le Ok, temps. Et bon, si je ça suis dans va. sa ligne, ça me touche, ça me fait mal. Et puis, si c'est un très bon écho, il va pouvoir back et ulti revenir sur la Non, lane personne fait sans la ça. C'est pas TP. worth, c'est pas worth. Bon, ils le font, hein, dans les gameplays SMAB et tout, ils le font tout le temps. Ah, ça coûte cher, quand même. Ah, Après, ils sont l'ulti permet arrêts. de. Après, c'est parce que eux, jouent vraiment la Après, lane ils pour le sont farm, tu grave en vois. avance et tout. Sinon, voilà leur compo en face et dis-moi un peu quels sont leurs points forts. Alors, le point fort, Leona, ça a beaucoup de contrôle. Ok. MF, c'est un ulti de FDEP. C'est un ulti qui fait très très mal. Genre, quand il y a un fight par exemple en Nash, etc., elle va. Ça part trop mal. Ezreal. Ah, Ezreal mid. J'ai l'impression, ouais. Ah, il fait mal, hein. Ça fait mal, Ezreal mid. Hein. Ça va, c'est quand même gérable, ils sont tous squishy, tu vois. Bah, ils ont beaucoup de contrôle avec Amumu et Leona. Donc voilà le contrôle, donc il va falloir faire des bottes de mercure. Ouais, dégâts. Beaucoup de dégâts. Après, c'est physique les deux. Ouais. Donc de l'armure très vite. Et lui, AP. Et donc un peu de RM quand même. Ouais. Donc là, je pense que ce que tu vas faire, c'est Tiamat direct. Ouais. Bottes de mercure en deuxième, parce qu'en plus, il fasse un match-up magique. Et derrière, tu vas faire genre visage spirituel si la ligne phase dure très longtemps. Et Ouais. ensuite, tu feras plaque du mort assez tôt, histoire d'avoir de l'armure. Mais et On puis part pas tu coupe fileras les gros noir? titanes plus tard. On part pas sur coupe noir? Non, non.
Là, ça va être regretté. À part si vraiment tu tombes, tu vois. Ok. Si je vois que t'es à 3-0 en lane, ouais, là, tu pourras te faire un peu plus plaisir offensivement. Mais vu que tu vas être le seul tank de ton équipe et que tout va se baser là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de CC, il faut que toi tu puisses être au milieu Et et encaisser. tenir, encaisser. Donc, ouais, tu pourras pas trop te permettre d'aller trop deep sur cette game. Maintenant, il joue une Knight top lane, fais attention à ça. Ça peut surprendre en early game. Ouais. Faut vraiment que tu esquives tout ce qui est les marques, etc. Ico Ignite, ça va, je vois ça. Ouais, non, ça peut. C'est pour ça que je te dis, même toi, des fois, faudrait que tu tentes une fois que tu auras un peu plus la confiance sur tes lanes de jouer avec Ignite. Bah, Ça j'ai te rend essayé compte de avec la puissance Jace de ce Mid. truc. C'est pas mal, hein. Tu peux prendre des kills. En fait, à ce niveau-là, ils font beaucoup d'erreurs, de micro-erreurs, tu vois. Et l'Ignite permet toujours d'aller au kill. Après, à un niveau plus haut, quand tu vas commencer à arriver vers le platine et tout, je te le dirai moi-même, ne joue plus Ignite, quoi. Parce qu'il va falloir que tu aies la TP stratégiquement, et si tu n'arrives pas à kill avec l'Ignite, ça va être limite contre-productif. Épée de Doran, ça Et peut pour faire que tout le monde écho. est content, j'ai pris la ward. Pour que GG, tout le monde on a soit foi. content. Pour que tout le monde soit content, on va prendre la ward parce que ceux qui savent pas, elle vient toute seule, hein. Le coup noir a changé, il fait moins de dégâts et donne plus d'HP. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le patch. Le? Le coup noir a changé. Ils ont nerf tous les items létalité. Ouais. Donc raison de plus pour ressortir le Renekton maintenant. Il jouait pas trop sur la létalité avant. C'est vrai, merci de m'avoir fait penser. C'est vrai qu'on est sur le 7.4, je crois. C'est sorti aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, quoi. Go, voilà, t'esquives. Tu prendras le Q-Spell en premier, quoi qu'il arrive, je pense. Et au début, bah, le but c'est d'esquiver toujours son Q-Spell et de push la lane un petit peu. Donc n'hésite pas à aller au milieu des sbires, mettre un Q-Spell. Mais sans être à range de ses auto-attaques, tu vois. Et bien évidemment, faut esquiver le Q-Spell. Tu pourrais montrer les résolutions League of Legends si t'es en vidéo, je comprends pas. Là, ça va être compliqué là. Là, on Les est focus sbires avec sont Brocky apparus. Brox. Une prochaine fois. Coucou Dagby, vite 2000 kills sur H1Z1. Ah. Il y en a qui a croisé mon chemin. Eh, la dernière fois, elle est tombée contre vous en plus. En BR5, ouais. Ouais. Vous nous avez enculé. Je t'ai Mais détruit. c'est pas toi qui étais derrière l'arbre? Je t'ai détruit. Non, non, c'est moi qui t'ai enculé. Ah non, 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 tu m'as pas détruit. Il y Tu avait un m'as. mec derrière l'arbre. C'était moi, tu m'as tiré dans le dos, tu m'as pas Je t'ai tué. dé... Ouais, mais je t'ai mis trop cher. Mais j'étais deux, je te voyais même pas. En fait, je t'avais tiré Ouais, tu dessus. tirais sur un autre Et mec. en fait, tu t'es heal. Et moi, je me suis dit. Ah, bah il doit être C'est mort. pas toi qui m'as tué, hein. Non, je sais, je C'est me suis quoi dit, je ça, dois je être mort crois? et donc j'étais en train de me soigner. Et t'étais dans mon dos. Oh. J'étais en mode pour moi que je tue Brocky. J'ai vu sa game. Et tu m'as pas tué. Non, il est trop le seul. Bon, allez, focus. N'hésite pas à lui mettre des petits Q-spell, tu vois, tu t'avances sur lui, tu mets un Q-spell, tu recules. Voilà, parfait, et tu recules direct. Parfait, parfait. Esquive ça, de retour. Et tu retournes offensivement. Recule, là, il y a le pire qui avance sur toi. Tu remets. Ah. Lui, t'aurais pu mettre un petit Q-spell en plus. Bon. C'est tranquille, là, t'as une bonne gestion de lane. Attention, pour autant que pas trop les sbires en early, ils font très mal les casters. Attention, Q-spell, tu mets pas mieux les sbires. Hop, j'ai la fureur. Attention, il va passer niveau 2, donc là, je joue défensif. Ok, parfait, farm. Recule un peu. Mais le Q-spell, ah, t'aurais pu se dire que tu sais gagner. Là, ah, t'aurais pu aussi. Là, t'aurais pu aussi. Trois fois que tu rates ton Q-spell, là. Tu mets des dégâts. Hein. Bah, après, pour claquer sur des sbires. Hein. Enfin, ça a aucun intérêt. Toujours sur la pression que tu vas lui mettre en lane. Hein. Prends ton E. Ah non, ne E jamais pour les sbires comme ça. C'est un trop long CD. Tu vois, là, tu l'as plus pour l'agression. Ah ouais, c'est un putain de long CD quand même. Ah, c'est ça. Ne flash pas. Hein. Oh, oh putain, j'avais le doigt dessus. Hein? T'allais le faire? Ah Je l'ai ouais. senti. Pour juste à la stit. Ok, prends ton Z. Ok. Bon, faudra que je t'apprenne aussi à faire les AEP tes sorts en raccourci. À chaque fois tu cliques. Ouais, c'est trop dur. Ok, là dès que t'as de la fureur, tu peux lui faire le premier petit combo sans le Tiamat du coup, mais le classique quoi. Surtout qu'il s'avance beaucoup. Hein. Ok, là maintenant tu vas pouvoir. T'es à 40. Là maintenant faut que tu mettes. Surtout qu'il a plus son Q. Dash in, Z, auto-attaque. Ok, parfait. Ne refais pas ton Z. Ouais. Là, ton E, pardon. Ok, là tu peux tanker un peu les sbires. Va leur mettre un Q-spell dedans, en plein milieu, que ça va te faire très gêne. Voilà, t'es bien là. Il a back, je pense. J'ai tellement mis mal. Vas-y, push hard. Push, mets-toi au milieu. Q, tu peux E même dedans.
claque ton stun pour un PA. Parfois quand tu vois que le mec recule et que tu peux pas mettre l'auto-attaque avant le Z, c'est pas trop grave. Tu mets direct le Z et tu mettras l'auto-attaque derrière. Fais une deuxième Dora. Ouais. Potion, la ward et tu TP directement sur les sbires. Hop. Ouais, celui-là. Ok, tu dash out direct, Voilà, tu l'as fait. Énormément de mana. T'as rien perdu. Très bien, la potion direct. Ok, tu recules, tu prends pas un Q-spell pour rien. Et là, faut que tu restack ta fureur. Après, tu peux toujours dash in, Q-spell, dash out, tu vois. Dash in sur lui, Q-spell, dash out, et là, tu peux même lui mettre un petit Z. Très bien, ça. N'hésite pas à être un petit peu plus aggro. Bon, enfin, pas qu'il y a autant de sbires, mais voilà, il y a des moments où... Juste lui mettre un peu de dégâts. Forcer à mettre à ses potions, parce que... Ouais, c'était bien fait de cliquer le E. Très bien, bien sorti. T'as de la fureur. Donc là, faut que t'arrives à lui mettre ton Z. Hein. Surtout que lui, son stun et son bouclier est en délai. Voilà. Voilà. Tu vois ce que tu vois les decks, t'as mis une fois, un trade. J'imagine que t'avais fait ça 2-3 fois déjà, il était mort. Enfin, ou en tout cas, tu pars sa vague. C'était très très bien. Limite, t'aurais pu go encore un peu plus in parce qu'il avait pas claqué son stun, tu vois. Mais c'était très très bien. Au moins, tu prends conscience de tes dégâts. Q-spell dedans. Quand c'est comme ça, tu peux Q-spell avant d'avoir la fureur. Ouais, ne le fais plus maintenant. Tu sais, ça te donne les stocks du fureur pour fou, le CD assez court du Q-spell. Ça te donne beaucoup de stacks. Fais gaffe dans le bush, il peut te mettre Sa zone. Ouais, même sa zone. Ouais. Je pense à mettre une ward même dans le bush. Au-dessus. Celui-là, là, le premier. Ouais, le premier. Après, dans le deuxième. Ouais, c'est pas grave. Au moins, t'as l'information aussi. En vrai, si tu mets sa zone, tu peux limite dash in. T'es pas obligé de dash out. Si tu dash vers l'avant, comme ça, tu sors de la zone. Je pense qu'il a back, hein. Tu lui as mis un trade, ça l'a mis full pression. Un allié a été tué. Le 6, garde ta fureur. Vas-y, mets un Q dedans. Garde ta fureur. Ouais, vas-y, back. Prends la cible. C'était très bien. C'était très bien. Ok. Je devais un peu plus agressif à des timings. En fait, que lui, tu vois qu'il claque son Q. Non, prends 2 CP longs. Tu vois qu'il claque son Q un peu hâtivement, tu vois. Donc quand il l'a plus, quand il a plus de... Là tu vois, dans tous les cas au pire il te met un stun, une auto-attaque, tu risques rien. C'est vraiment le Q-spell lui qui lui permet de déclencher son passif et de faire les dégâts supplémentaires. Mais t'as vu les dégâts que tu lui as mis, c'est insane. Donc c'est pour ça que je te dis avec l'Ignite, en fait, en deux combos comme ça tu tues le gars, 100%. T'as first blood quasiment à toutes les games. Là t'as l'ulti, hein, t'es vraiment très tranquille avec. Okay. Mets-toi au milieu, mets un Q-spell, juste pour charger un point de fois, je vais juste la fureur, voilà. Ton dash il a plus son QO, t'aurais plus là. Ouais, dead, Q-spell. Voilà. Tu vois ce que t'as perdu, tu vois ce qu'il a perdu? Tu peux pas perdre, c'est comme ça. C'est incroyable. Et il y a même limite, là t'as bien fait de partir à l'autre, mais il y a des fois où. Je peux le go quoi. Tu peux ulti. Oui, sur le deuxième, ulti. Mais parce il a son ulti lui. Il a plus sa convergence. Très bien. Là tu commences à prendre la confiance. J'aime bien. J'ai envie de le go. Arrête d'avoir peur, arrête de jouer aussi reculé. Pourquoi c'est toi qui as peur de lui là? Il a mis la zone, qu'est-ce qu'il est? À la limite, tu te mets une auto-attaque, ça te fait rien. Arrête d'avoir peur de lui. Chaque game, t'es le froussard. C'est toi qui domine la lane là, donc montre-lui que c'est toi qui domine. Force-le à back. Là, tu peux dash in Q, dash out, tu passes pas. T'as pas la fureur, donc tu. Non, t'es pas obligé de Z là. Dash in Q, dash out, c'est inesquivable. Et vu que t'as pas la fureur, tu veux pas aller au bout du train, donc tu veux juste te mettre un peu de quoi. Dash in Q, dash out. S'il a plus de mana et tout. Et là, il est à toi, il met une convergence de l'eau. Tu là-dedans, ça va te faire régénérer un peu. Parfait. Et là il va back. Avance. Mets-toi dedans, mets-toi en plein milieu, tu dash in, Q comme on avait vu. Là, Q, dedans. Non, jamais faire de dash, tu perds la fureur. D'accord, on avait besoin de ça. Pour régène et tout. Y'a pas de mana, hein, tu crains pas grand chose. Tu tires ulti, tu le démontes.
Joue aggro. Joue aggro. Le E? Ouais, le E. Trop passif, tu perds tes créneaux d'agressivité. Hein. Et plus tard, ça va être lui qui va te défoncer. C'est pour moi. Allez, dash in, tout dedans et dash out. Voilà, c'est ça. Parfait, back. Tu perds. Ouais, toi, il a ulti, ça, ouais. Très bien, t'as la TP, toi. T'as vu la mana, il y a rien avec quoi comme mana. Là, tu le repréchures direct. Il est gratuit, ce mec. T'es censé vraiment le dépop. T'as le Kiamat. Attends pour les bots. Attends pour les bots. Allez, et cette fois-ci, je veux te voir agresser. N'aie pas peur, Amumu, il vient, tu le tues aussi. Genre, là, t'as peur de personne, c'est ton moment. Tu TP et tu penses au dash instant s'il met la convergence. S'il la met pas, tu gardes ton dash. Y'a rien. Tranquille, tu vas garder ta mana. Allez! Allez, Broky, tout ce qu'on a appris, je veux que tu me mettes en œuvre maintenant. Magnifique. T'es magnifique. Tu continues de l'agresser, tu reforces la vague, tu push, tu farm. Tu l'empêches de farmer, tu l'empêches de vivre. Il a mis l'ultime, il a pas de TP. Donc, il bat, la prochaine wave, tu la détruis. Dashin, Z, tu mets tout. Vas-y, go, tu mets tout. Dashin, Z sur le canon. Kiamat, tu spell, enfin, allez, on voit tout le temps. Voilà. 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 Un peu de dégâts, ouais. Très bien. Ne va pas sur la prochaine wave. Attends. Ne fais rien. Attends, tu me dis que tu vas passer la convergence. Et partir. Très bien, voilà. Tu reprends l'allée. Parfait, enfin, il a un peu de stuff. Ou pas qu'il a une knight. Je sais pas, ouais. Il a ce tour, ouais. Là c'est le moment où tu dois reperdre la confiance que tu avais tout à l'heure. Ok. Mais pour l'instant tu fais une bonne early. Et tente de temps en temps, fais-le. Le petit dashing, tu spell dashas. Ça te coûte zéro. Tu sais que ça va être un moment où tu vas pas te progresser que là-dedans. Rechaîne. C'est bien, le problème c'est que ta fureur est partie sur le E. Ouais. Mais c'était pas mal. Au moins tu as mis des dégâts. Mets ta potion. Mets tes deux potions. Et là il va falloir le bait-le. C'est un peu téléphoné. Et c'est une ulti. Voilà. Bien joué. Sur le stun. Après je sais pas si ça fait exprès mais t'as mis le stun avec la fureur. Et très bien. Ouais, j'ai mis le stun, mais ça monte. Hein? Ça monte. Ça met plus de dégâts. Ouais. Et ma fureur, genre. Comment ça avec la fureur, le Z, il fait quoi? Bah il stun. Ouais mais c'est quoi la différence avec et sans? Bah ça fait beaucoup plus mal. Non. Ah ouais? Le stun dure plus longtemps. Ah oui c'est ça vrai fait ça. Ça fait aussi plus de dégâts. Mais le stun dure plus longtemps. Donc c'est pas, je pensais bien que t'avais pas fait exprès. Back. Bah je me suis dit que c'est mieux quoi. Oui voilà mais c'est ce qu'il fallait faire. Quand il y a un gank, le Z fureur c'est le best. Parce que le CC est genre méga long. C'est 1.5 ou 0.75. Allez, ne dash pas tout de suite. Voilà, pas encore corps, voilà. Et là maintenant, parfait. Rocky Brox quoi. Allez, dommage que c'est que des... Tu back. C'est que des assists. Force. C'est pas grave. Je veux que tu te chauffes un peu, t'es bien, tu fais une bonne game. Et tu vois le combo comme c'est simple maintenant. Mercury on avait dit. C'est ça, non. Ouais. Épée longue, limite tu peux te permettre... Ouais, attends, je réfléchis... Non, prends un salle de PV. Attends, 400. De toute façon, tu feras visage spirituel. Et tu fonces, dash direct et tu fonces. Voilà. Bon, c'est bien. Tu domines ta lane, regarde le farm. 86 à 88, sauf que il a deux waves d'avance là. Donc c'est ça que tu vas récupérer. Donc tu vois, pour une fois, t'es pas derrière. Et après, pour moi, t'aurais pu jouer encore un peu plus agressif. Ouais, j'aurais pu. 25 secondes, t'as ton ulti, donc je joue pas trop greedy jusque là. Continue tes petites agressions comme tu fais, t'as l'air de les maîtriser. Il a pas son nom. Allez, là, tu peux. Hop. Et dash out. Dommage. Tu peux tard. Des fois, t'es pas obligé d'aller au bout du combo. Quand tu vois le truc retomber, tu dash out, tu vois. Ouais. En mode, bon, c'est pas grave, je l'ai pas mis le Q, mais au moins je l'ai mis un peu. Mais c'est pas grave, t'es quand même gagnant dans le trade. Toi, t'as du sustain, il n'en a pas. 5 secondes, t'as l'ulti, tu peux commencer à jouer très agressif, mon cher Broky. Allez, on y retourne. Allez, Kiamat, Q-spell. Voilà, voilà, Broky Box. T'as plus de vie, bébé. Continue là, pourquoi t'es. T'as plus de vie, bébé. Viens, je sais que tu veux. Je sais que t'as faim. Viens. Ah, bien joué ça, je t'avais pas dit, t'y penses. C'est bien. Voir le premier bush. Tu vois? Non. Ah merde, c'est celui-là, je parlais? Ouais, comme ça, genre, tu l'enfermes sous sa tour. Il a back. Ouais, et alors, il a pas de TP. C'est quoi, je vais le voir. Push instant, de toute façon, tu t'en fous. Qu'il soit là ou pas, dans tous les cas, t'es le dominant. Et dash. Je suis le mal dominant là. Tu vois comment c'est bien Renek en lane? La différence avec tes rumble ou quoi, même sur là, tu vois, j'essaye. Et regarde. En vrai, bon, t'as pas débloqué la première tour parce que bot l'a fait.
Mais personne t'a aidé. Ouais, j'avais une knight, il était mort. Personne t'a aidé sur cette tour et tu la débloques. Tu peux même continuer de l'agresser. Hein. Tu peux retourner, tu peux retourner, c'est pas dans la convergence, c'est parfait. Tu me domines, mais il peut rien te faire. Même et si Amumu vient, tu le démontes, Amumu. Il m'a même pas touché, il vient, continue, je casse sa continue, bouche. Continue, voilà le demi-tour. Il va sûrement voir bien. Si Amumu vient, tu démontes Amumu. Amumu, tu le ramène ton pote, ramène ton pote, ramène ton pote. Là, putain, ramène ton pote. En plus. Vas-y, vas-y, oh, t'aurais dû te laisser dash. Ouais, 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 ouais. Oh, t'as ce que je veux dire. Salut le cheat, déjà, j'ai lui pour tuer, il veut leur 1000 ans. Ouais, il va te mettre la fin de l'ulti. Ah, dommage, t'as voulu le bait. Ouais. Eh, hey, mec, si tu fais flash stun, tu le tues instant. Flash stun, flash stun. Oh putain, s'il te plaît, Brocky. S'il te plaît, Brocky. Ah allez, allez, mon Brocky Brox, quoi. Ça me fait plaisir de te voir agresser des gens, quoi. Let's go, baby. Turn up ici. Y'a pas le temps d'ulti. Pourquoi? Parce que t'avais la fureur. Le stun fureur. Ah 1, ouais, 5. Eh oui. Et derrière Q-spell. C'est sur l'open no game que ça se passe avec Dog Bye Bye. Allez, back, back, calme-toi, calme-toi. Rentre à la maison. Ah, il va chauffer là, là il va chauffer là, il va chauffer là, là il va chauffer là. Mais je suis content, tu vois, on a mis combien de temps? T'as travaillé 3 minutes dans la phase de traînement là. C'est ça. Juste travaillé un combo et maintenant t'es devenu le monstre de la top lane. C'est ça, les gars, y'a que le travail qui paye, les gars. Vas-y, fais visage spirituel, j'avoue que je connais pas trop le nouveau Tiamat. Ça, ouais. Et ça, ouais. Plus de CDR. Et tu retournes top. Dans tous les cas, t'as la TP. Donc maintenant. S'ils ont besoin de toi ailleurs, tu interviendras. Et en attendant, t'es le boss. C'est ta lane. Lui, c'est ça. Je veux que tu le soumets. Là, c'est ma petite, là. Là, c'est ma petite, hein. C'est là, bien. Les gars, là, c'est ma petite, hein. C'est bien. Après, on a joué Echo. Voilà, j'ai joué le play guy, ça tilt un peu en face. Je sais pas, la botlane, en tout cas, tilt. Tu vois ce que je veux dire? Avec Rington, tu peux provoquer ça. Et encore là, comme je te dis, si Amu était vu, tu faisais doubler, c'est encore pire. Tu vois, ils étaient en mode. Ouais, j'aurais créé encore plus. Donc voilà, mais t'as. Quoi, le direct? Là, t'es devenu le king, hein. Tu crains pas, juste esquive la convergence, le stun, Tiamat, voilà, esquive, New York de retour, parfait, parfait. Là t'as tenté CD, et parfait, c'est parfait là. C'est pas, je crois qu'il manquait le Tiamat, mais c'est pas grave. Ouais, il manquait le Tiamat. Et t'y retournes, dans 3 secondes t'y retournes. Y'a Mumu, faut que t'attends ton ulti, faut esquive la bandelette, voilà. J'ai tellement envie qu'il y aille, j'ai tellement envie que tu les démontes, mec, je trouve qu'avec ton ulti t'es un boss. Mets l'ulti derrière, mets l'ulti, mets l'ulti, mets l'ulti. Tiamat, Tiamat, Tiamat. Oh non, dommage, la convergence fallait l'esquiver et le Q t'aurait fait assez régène. Dommage, tu vois là t'avais pas l'ulti dès le début, mais avec l'ulti dès le début. Non, tu l'avais pas, il se lançait des. Mais je crois que je me suis mangé un stun ou quoi, c'est pas possible. Oui, oui, t'as fait la convergence. Soit t'esquiver la convergence pour temporiser le Q, et après le Q. Allez, Kha'Zix, il va se régaler là, Kha'Zix. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, ah, mais là j'aurais mis des dégâts, tu vois. Oui, mis c'est bon, bon. Toi tu meurs. Moi, ce qui fait bizarre, c'est que t'as pas peur de les prendre, c'est un V2. Et au fur et à mesure, tu vas de mieux en mieux les gérer. Là, t'avais pas de chance, il y avait 3 secondes sur l'ulti, parce que normalement, si tu l'avais eu dès le début, c'était mieux. Et il t'a bouffé la convergence. Mais c'est bien. Je suis content que tu fasses du genre de... C'est bien, putain, dommage, le Q-spell là, tu t'es monté à Mumu. Ah ouais, tu régénérais peut-être assez pour même genre buter Echo derrière. Mais t'aurais pu éviter beaucoup plus de trucs. Ouais, Le TMU tu peux pas, mais la convergence tu pouvais en sortir et il y avait aussi le... Son ulti te stun ou pas? De qui? Ah Mumu. Ouais. Ah mais c'est pour ça que j'avais pas R. Place. Non, tu peux R. Ah ouais, je peux R, t'es sûr? Ouais, je crois que tu peux R. Parce que j'ai appuyé R, il avait pas. T'es pas étourdi, t'es genre juste immobilisé. C'est la bandelette qui t'empêche de R. Non, en fait, t'as fait la convergence. Ça, non, c'est le Q que t'as pas pu faire. Le R, tu l'as fait, hein, au bon moment. Non, mais je voulais faire avant. Ah, je l'ai peut-être pas non, débloqué. Non, il t'en cédait. Ah, d'accord. Ça, c'est dit R, le temps qu'il revienne là, faut pas que tu rates le timing, quoi. Parce que moi, j'ai non, t'as 4 secondes de le récupérer, c'est ce qui t'a niqué. Ah, d'accord, je me suis dit, putain, j'ai R, ça le faisait pas. Parce que si t'avais R avant, t'aurais les dégâts de ton ulti, je les aurais détruits. Tu vois, j'ai pris largement de dégâts. Faut que tu le saches dès maintenant. Après, il y a certains combos, je te dirais non. Faut juste agresser, hein, qui est toujours le mal dominant. Mon ulti, et tu peux toujours un V2. Sache-le. Juste essayer d'esquiver, comme je dis, les convergences. Ça suffit. Voilà, t'as vu que t'as pas pu aller au bout, tu es revenu en arrière. C'est très bien. T'arrives à jauger. Ah, je peux pas y aller. Ah, ouais, je peux. Mets des Q dedans des fois. Hein. Quand t'as 4 sbires comme ça, c'est bien pour la fureur. Ça te coûte rien, c'est 5 secondes de CD. C'est pas, y a pas de mana sur. Fais le tour, vas-y, travaille. Ouais, limite si tu peux. Mets une ward un peu plus avancée. Derrière, encore. Ouais, encore. Ouais, là, ouais. Tu vas voir, viens, mais... Ouais, t'as pas peur de toi. Quand rien, mec. Il te fait rien. Fais gaffe à pas perdre la fureur. Essaye de te retourner, mais ouais, du coup, voilà. Ouais, c'est vite arrêté, là. Tu peux demi-tour, hein. Attends, il veut faire le mec qui veut se battre, mais c'est... Ok, redash out. Parfait. Je vais passer le petit Tiamat.
Parfait. C'est très bien. Interruption. Oh. Ouais, voilà, ouais, visage une bébé. Ouais, pense que. Ok, t'as le son dans 4 secondes. Q-spell. Flashton. Allez. Allez. Voilà, et dash out. Voilà, c'est ça, allez. Ouah, c'est fort! Regarde tes PV, t'as encore 50%, genre, mais qu'ils viennent! Non, bah. Je me chauffe aussi. Il s'est chauffé! Bah, quoi. T'as encore 50%, tu vois, l'écart, c'est pas genre t'as fini à 20%. C'est que tu peux le tuer deux fois en fait. Ouais, c'est ça! Tu peux mettre un 3ème ulti, on est quand même là! Tu peux encore te battre, très bien. Bon, tu perds ton flash là-dessus, mais t'avais pas le choix pour aller valider le kill. Le snowball continue, le tilt en face continue. On a dit qu'on allait faire de l'armure, plaque du mort. Voilà, et là maintenant, bon, on va commencer un peu plus à regarder la map. Je crois que t'as un peu compris ta force en lane. On va un peu plus regarder la map. Ah, et c'est tu lourd pour tout le monde. Oh, c'est lourd. En fait, c'est lourd de ouf, Renekton. Oh, OTP, hein. Je pense que c'est ce que tu vas faire maintenant. Là, on va encore un peu se faire plaisir aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, tu vas OTP à quelqu'un et tu sais que tu montes. Parce qu'en vrai, c'est maintenant que comme ça que tu montes avec du badass. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dash. Ouais, pas mieux. Oh, je sais pas, il peut se barrer lui. Il a pris une bandelette sur un format. Que la dent, voilà. Je pense à mettre du cul dans les pierres quand t'as pas la tour. Très bien. Bon, maintenant t'as un peu le rôle ingrat, tu tankes et t'attends qu'il vienne. Bon, t'es plus l'agresseur. Ouais. Si y a un mec qui fait une erreur de positionnement, mais sinon t'attends. Voilà. Tu tankes, tu tankes, tu tankes, tu tankes, tu dans 3 secondes. Putain, les dégâts! Ouais, tu mets un Q-spell dedans. Tiamat. Ok, ça va, vous êtes pas si mal. Ok, là, tu peux tuer. Tu vas gagner. Dash! Voilà. Cours. T'arrêtes jamais. T'as le dash en 3 secondes, parfait. Ok. Oh, c'est bien, t'as rattrapé un peu les comptes. Enfin, mets-toi un peu dans l'ombre là, tu peux. Peut-être si dash in, tu peux plus là. Ouais, j'ai la dash out. Oh, t'as vu le dégât. Oh, il a détruit, dommage. Il est pas assez fort, Stan. Ouais. C'est que ça. Attends la wave, va sous tour, cache-toi. Voilà. Et là, tu dash in Q dedans, comme le combo relay qu'on a vu. Oh, tu peux le tuer, Stan! Tiamat! Il est trop tard. Oh là, je dois plus trop tard. J'appuie trop tard! Ah, oh, dommage. J'ai kiffé quand même, franchement, je t'ai tué, j'ai kiffé quand même! Il m'a tué, mais j'ai kiffé! Oui! Vends une Doran et prends une Giant Belt. En fait, la double Doran, je t'ai demandé de la faire parce que t'étais pas avec quelqu'un qui jouait Knight. Ah, ouais. L'avantage de la TP, prends double Doran, au moins, ça compense les Knight. Il m'a tué, mais pas. Regarde. Il m'a tué, mais parce que c'est moi, c'est ma faute. Tu peux TP cette ward là, peut-être. Je vais retourner top. Je TP? Ouais, vas-y, save la tour. De toute façon, elle sert à rien la TP, genre, ouais. Un ennemi a été tué. T'as le save, hein? Bien joué. Et tu push arm là. Tu mets au milieu, tu mets un Q, tu mets Tiamat. Fais le Tiamat Q. Ouais. Prends-le, tu vois, dans ce moment là. Ouais. T'es en boîte voilée, je m'entraîne. J'ai encore une wave, t'es safe de toute façon. Et après tu vas retourner avec ton équipe. Push, tu crains pas écho. Allez, tu mets tout à temps. Dash, Tiamat Q. Z. Ça va faire ton Tiamat. Et tu back. Enfin, tu back ton équipe. Passe à travers. Ça aussi, tu t'entraînes, prends la plante. J'ai entendu ému. Auto-attaque Z. Rien de plus rapide pour prendre les wards. Petite ward là-dedans, ouais, clairement. Petite... Ah non, tu aurais mis sur flash. Enfin... Bien, t'as gagné ton Z. Bien fait. On sait jamais. Bah, avec ton équipe, hein, ils vont avoir besoin de toi. Donc, t'es le bodyguard. C'est le moment moins marrant avec l'équipe. Et là, il nous fait normalement, c'est tellement jouissif que ça.
Donc là, bon, soit t'arrives à flank, passer par derrière, soit tu restes à côté des carries et prends des carries qui stun. Tiens, relou, là c'est MF. Là, il va tuer. J'ai peur pour Kha'Zix. Moi aussi. Bien, bien bloqué. Il a flash. Ah, il a le G, il a le G, il a le G, il revient là. Les deux là. C'était chaud. Hein. Et bah avec ton équipe. Un ennemi a été tué. Il va falloir Harry qui va peut-être mourir par Psycho. Va aider là ou va aider là ou va aider là. Tu peux le dive, tu peux. Enfin tu peux. Ouais, passe par là, t'as bien fait. Faut prendre le bloc de l'autre côté. Allez. Oh l'outil était sans trop. Il faut laisser le direct derrière. Et... flash, 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 flash. Okay. Mort. Non, non. Ça aurait pu être mieux, mais... Ah, il a Zonia, cet enculé. Pense à lui qui met des drills. Il est mort. Attends, ouais, il va se... Ouais, c'est pour ça. Non, t'as assez. Tu meurs plus, là. Ok, back. Voilà. C'est obligé. Unlucky, unlucky, mais j'ai régène trop là. T'as vu la régène que t'as? C'est quoi cette régène sans doute? Ah, visage spirituel. Ah ouais, c'est fou hein. Visage spirituel plus je crois que t'as le red buff, non? Ouais. Ouais, voilà. Les deux ensemble. Combo de ouf. Fais résistance magique là. Repars à la base, repars à la base. Fais un ange gardien là, direct. Tu vas vraiment être le pire joueur. Là t'avais pas trop le choix. T'as pas de tank, tu vois ce que je veux dire, t'as le rôle où t'es parti full tanky. T'as sur la win. UGA. Ouais ça. Ça, la petite, ouais. Ça. Repart top, mets un coup de push. T'es plus dans 50 secondes. Bon, regarde le chat vite fait. Echo dit du. T'es bien. Je suis content que t'aies gagné ta lane. Wow! C'est... Parfait. Comment il a, comment il a rempli Brand? Il joue AP ou AD? C'est incroyable. Il a bien burst. Oh bon, stun. Vite à stun. Vite avec. Super, super. T'as fait ton job. Tiens-toi, je pense que tu sens, mais si tu peux dash, ouais. dash stun, des fois c'est bien. Quand c'est une MF comme ça solo. Parfait. Tu te save. Regarde mid. Regarde mid si tu peux pas lâcher. Là. Tu go, faut que tu go. Hein. Il a besoin de toi là. Allez. Bien. Bah, le nouveau dash, des fois sert. Ouais. Le nouveau dash quand il faut, juste pour aller mettre le stun. Et je trouve hésitant quand même. Regarde mid. Peut-être faire une TP en plus, t'as encore l'ulti. Très bien. Rodash. Vers l'avant. Ah, t'as encore le dash. Tu l'as dedans. Tu vas pas prendre de la fureur là. Voilà. Pas peur, n'ayez pas peur. Ok. Je peux reculer. La ripush. Mets une petite ward là au milieu, juste au milieu de la lane, voilà, parfait. Et continue de pousser à deux, hein. Je sais pas ce qu'elle veut Léona, mais tu l'as détruit. La tour elle va aider. Là je dois jouer pour lui là. Ouais. Attends, voilà. Allez, double dash, stun. T'as pas de bio. MF, arrête de tuer une vision. Tu l'as dedans, Q. Dash out. Voilà. C'est ça avec ton, tu fais reculer ton. C'est incroyable, putain. C'était pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas qu'on verra dans ça. Toi, tu fais la vision, tu t'es pas là pour chase, toi. Juste tu tapes ce que t'as apporté. Il y a Fizzle derrière toi. Tu seras pas back. Dash.
Ah, il m'a touché, genre. T'es safe, hein. Tu cours beaucoup plus vite grâce à la plaque du mort. Allez, salut! Ok. Ah, attends, je vais rester, hein. Non, ça passe pas. Je vais rester. Enfin, tu back TP là. Il est vrai que j'ai ma TP. T'as pas loin, vends ta Doran et fais tes deux stuff RM et armure. Je vends Doran. Et je fais quoi? Clique sur le truc que t'as acheté tout à l'heure. Ouais, évolue le, ouais. Ensuite, clique dessus, voilà, ange gardien et l'armure. Ah, je l'ai déjà. Parfait. Et TP. Pas mort. Ouais, parfait. Là. Et là, tu les défonces. Là, t'es god. Donc, tu sois god. Dashi. You. Voilà, on va continuer. Va chercher. MF. Non, pas MF. Si, MF. Ah, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Descends, là-bas. Ouais, dans le bush, elle aura le temps de back. À la flash. Dans le bush. À la flash. Toi aussi t'as un flash. Dash, t'en as un deuxième. Oh. Dommage. Il va l'avoir. T'as deux dash, hein. Ah, j'avais pas fait ça. Dès que tu touches une cible, faut savoir que tu l'as encore. Allez, tu push ça. Travaille le putain, mets Tiamat dedans. Dash in, Q-tama. Ouais. Voilà. Des fois, c'est juste ça que je te demande en lane. Hein. Tu fais dash in, Q-tama, dash out. Des fois, ça suffit, tu stack ta fureur, tu vois. Ouais. Et dès que t'as la fureur, tu te dis cette fois-ci je vais avec le stun. En gros, c'est que du mind brain. Enfin, que tu. Ouais, du mind brain. En gros, le mec sait jamais si tu vas faire un gros combo ou un petit. Tu dois jouer là-dessus en mode. Non, je voulais juste te poke. Là, je te go vraiment. Ouais, le mec est en mode putain, je comprends pas celui-là. Chaque fois, il fait un truc différent. Et là. Voilà. Oh la destruction. T'as même pas de la fureur, la tourelle. Pardon ? La tourelle elle me donne pas de fureur quand je la tape. Non. Mais elle te permet de la conserver. Ah d'accord. Je peux pas la... Tu peux lui mettre un petit combo attends. Je peux pas la dive elle ? Bon tu peux mettre un petit dash in Z, bon, tu vois un peu les dégâts que tu mets. Ah y'a Mimi. Derrière, mais là c'est loin, tu puisses revenir. Hein. Tu peux juste mettre ton petit combo comme avec en lane. Hein. Je t'entends quand il vient mettre toi ta gueule. Push. Oh. Presse R derrière. Pas très propre, hein, je pense. Ok, go sur MF. Allo, dash in Q. T'as pas la range. Tu vas l'avoir bientôt. Ah, elle a mis sa Yumio. Regarde ta team un peu, elle a besoin de toi. Effectivement, c'est toi, cet homme a besoin de toi. Allez, dash sur les sbires. Double dash. Voilà, stun. Voilà, c'était là pour ça. Et là, il tient. Normalement, Harry, il se revient là. Il meurt. Tu vois ce qui est bien ? Double dash. Parfait. C'est pas que t'as le GR. En fait, je vais faire pas forcément la back. Ah non, la sortie. Là, tu penses super les conséquences. Jamais dashing comme ça. Ok, monte vers en haut et tu dash à travers. Et tu peux. 3, 2, 1, maintenant. Faut pas que tu te loupes. Votre équipe a détruit. Dash. C'est long, elle est esquive. Voilà, ah, tu mérites de prendre. Mais au début, j'ai appuyé E et je l'avais pas encore en fait. Ah, du coup, ça t'a fait panique. Ouais. Bon, du coup, tu perds le GA là-dessus. Bah là, faut que tu finisses ton. Reprends ton Tiamat et fais un Hydro Vorace. Le deuxième, non, l'autre. C'est quoi la différence entre les deux? L'autre, c'est genre, c'est tes auto-attaques sont boostées, mais c'est très tanky. Ça va donner beaucoup de PV. Et... Celui-là? Ouais. Mais par contre, ça fera plus le. C'est quand t'as le cerf. Ça fera plus. T'auras plus ce combo. Ah d'accord. Ça va juste te permettre, quand tu actives tes auto-attaques, de faire beaucoup de mal. Ok. Enfin, tes 3 prochaines. Et. Ouais. Y'a que sur Renekton que tu fais celui-là? Je vois tous les autres, ils ont le. Non, en ce moment, celui-là est beaucoup plus fort que l'autre. Ah d'accord. Que quasiment tout le temps, tout le monde fait les Drovoras. Même sur les Fiora et tout? Fiora, c'est peut-être la seule qui fait encore. Titanesque pardon, les Drovoras. Parce que Titanesque. Ah oui, c'est un sable, ouais. Donc quasiment tout le monde fait de la Titanesque. Sauf, ouais, j'avoue, Fiora, les gens qui ont shell sustain. Ouais, elle fait encore l'hydre vorace. Non, bon. Mais j'ai beaucoup de gueule. Première erreur de ta part en teamfight. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre, de toute façon. Mm-hmm. Pense un peu plus à tes doubles dash. Pense un peu plus à te positionner comme un tank. Wouah, ils sont plus de nappe. Du coup, n'y va pas, va bot, va push un peu. J'ai peut-être peur pour le lâcheur, non, ça va. Tous les 4 à la TP, il y aura Harry qui va être là pour le défendre. Donc ouais, puis il t'avait. Push bot tranquille, prends leur bleu derrière, va push bot d'abord.
quelqu'un qui est pas là. Prends l'argent, Giggle, pas d'activer ton Tiamat. Merci mon pote. Personne va te lâcher avec ça. Où ça se péta? Oh là là, elle l'a... Bon. Laisse pas. Je veux dire, tu vois comme t'es tanky maintenant. Ouais. Tu m'as même que tout à l'heure, pour ça t'es un peu moins peur. Après, t'es pas non plus... t'es pas là pour prendre des dégâts pour rien, tu vois. Mais comprends aussi, des fois j'aime bien te faire comme avec Fura, c'est te faire aller au combat. Pour que tu te rends compte que t'as trop de dégâts. Extrême, quoi. Franchement, c'était une belle game. Franchement, c'était une belle game de ta part. Je suis content. Franchement, je m'attendais pas à ce que tu assimiles aussi rapidement le combo et que tu arrives aussi vite à demi-télé. Et je pense que tu vas prendre de la confiance au fur et à mesure maintenant en lane. Avec Renekton, tu vas être en mode je sais que maintenant je peux lui faire ça, je sais que maintenant il va prendre ça comme dégâts. Il est bon. Très bien, t'as pas dash, t'as pas dash. Pas le ouf, très bien. T'as fait ton max, tu vois ce que je veux dire, ouais. Ça suffit pas de prendre. Flash. Non, je flash pas. Ah, mais ça sont vraiment longs, c'est... En fait, des fois, faut pas hésiter à flash juste pour éliminer quelqu'un. Là, en vrai, MF, si tu as, quand t'avais la fureur, tu l'aurais flash Z, elle était morte. T'as tellement voulu aller sur Echo. C'est vraiment long, c'est... C'est juste que t'as pas flash. T'as ton flash pas encore, là. Bon, après, ça va plus rien de le faire quand tu l'as pas fait. T'as eu le créneau 1, quand ils étaient tous les deux collés, là. Ouais. Flash in sur MF Z, Q, Tiamat, il prenait très cher. Et tu tues MF dans le combo. Et ensuite, t'étais seul face à Echo, donc t'aurais pas eu autant de dégâts derrière. Ou alors deuxième choix, c'est quand t'as chase Echo, flashine le avant qu'il ait son bouclier. Parce que du coup il a eu son bouclier, tu l'as pas tué et il s'est rebarré. Donc du coup t'as raté deux occasions d'éliminer quelqu'un et de te barrer. Bah du coup bah derrière si tu trouves un contre 4 tu meurs. C'est pour moi là t'as pas... Y'a pas d'excuse hein. Faut plus faire. 1300 gold, bah achète ce que tu veux, fais-toi un flash si tu veux, si... Ça permet d'être un peu plus rapide. Bah bon. T'es dans une situation dans la game où tu peux te permettre de faire ça, y'a pas de problème. C'est même là qu'il faut que tu fasses les erreurs. C'est pas comme Tiamat, tu peux activer un peu, genre quand tu sais que tu vas auto-attaque. Ok. En plus de la vie, y'a pas un moment précis. Tu sonnes direct en France, avant qu'il te cheat, un moment tu prends pas. Ok. Un point. Vas-y, roche, l'arbre est en train de te faire défoncer. Ulti et go. Allez. Il n'a pas un keyback. Tu le démontes. T'es seul contre tous, tu les démontes tous. Osef, encore. Il a fâché dans le mur. Allez, dash. Putain, claque-le ton deuxième dash avant qu'il part. Et là, la prochaine, tu vois, flash stun, direct. Il a pris la plante. Dash à travers, va finir la game. Allez. Regarde le Nexus qui va quand même. De stun. Qu'est-ce qui te fait ça? Utilise ton item. Pas grave, voilà, c'est au moment où t'as flashé. Bon, maintenant tu l'as. On va pas dire utilise Z sur le... T'as un reset auto-attaque, ça marche pas. Mais ça te fait faire une auto-attaque de plus, ça fait genre auto-attaque. Ok. Bon.
Il y a encore des choses à améliorer, mais pour moi, t'es C'est mieux que la première fois. Ah oui, c'est vraiment mieux que la première fois. La première fois, t'étais, tu jouais trop défensif. Mais c'est normal, à force d'avoir vu que toi t'as évolué avec des rumbles en lane, t'as toujours eu l'habitude de jouer derrière. Ouais. Mais moi, je veux te montrer qu'au contraire, tu peux jouer devant et tu offres énormément d'espace à ton équipe. Regarde un peu les dégâts histoire de kiffer. Voilà, 21 000. Bon, après, Harry a quand même bien des DPS. Regarde les dégâts tankés aussi. C'est toujours sympa de voir avec Renekton combien c'est plus bas. Ouais, ici, ouais. T'as pris quand même pas mal. Donc, t'as fait ton job. Franchement, t'as fait une bonne game. Job done. T'as fait une bonne game. Qu'est-ce que t'as. Comment tu le ressens alors? Franchement, en tout cas, en lane, c'est super fort. Un peu moins dans les teamfights. Mais en lane, c'est. Bah, en teamfight aussi, c'est bien pour isoler un mec. Tu vois, en catch 1 pour ton équipe. Ouais, c'est ça. Tu punis un mec. Un mec qui fait un petit move, par exemple, à Ezreal, qui fait un E-in confiant. J'arrive, je le stun. Le mec, il est mort. Game, c'est genre monstrueux au niveau tankiness. C'est-à-dire que tu vas vraiment. Tu vas vraiment rentrer, en fait, t'as l'ulti, genre E-ulti direct. Il y a aussi le combo où tu peux activer ton ulti plus vite, parce qu'à chaque fois, tu mets un peu. En fait, tu peux faire E et ulti en même temps. C'est-à-dire qu'il va se transformer pendant le E. Mais ça encore, c'est. Bon, c'est pas méga important tout de suite. Mais t'as, voilà, t'as les combos. Donc maintenant, pour moi, tu sais jouer Renekton. En tout cas, le Echo 5-12. T'apprennes un peu plus à le maîtriser. Mais tu sais jouer Renekton et tu peux maintenant le spammer. Moi, c'est un champion qui, pour moi, te correspond. Parce que t'aimes bien dominer en lane, t'aimes bien être devant. Et si tu spam, pour moi, tu vas monter. 100% tu vas monter. Donc si tu fais genre, on va dire, 50 games sur Renekton, tu vas en gagner au moins 35. Ce qui est suffisant pour monter. Mais non, franchement, c'était bien. Après, tu joues toujours de la même manière. Il y a des match-ups qui vont être un peu plus compliqués de temps en temps. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Tu vois, quand tu sens que tu peux y aller, t'y vas. Et sinon, bah, tu n'y vas pas. Okay. On va couper pour la première partie. J'espère que vous avez apprécié. Donc nous, on va continuer en live. Il y aura la deuxième partie sur YouTube, ne vous inquiétez pas. En tout cas, Bokibox, ça va de mieux en mieux. Ça fait plaisir. Tu germes de mieux en mieux ta lane, ça se ressent.